Alors, mes amis de seconde, serrez la ceinture, éteignez votre console. Alors, la leçon est la suivante. Méthode de calcul numérique, 11 secondes. Programme scolaire type français, la mission. Alors, comment déterminer les ensembles N, Z, D, Q et R? Eh bien, commençons par l'ensemble M. Ben, l'ensemble M, c'est tout simplement l'ensemble qui contient les éléments 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Les nombres qui vous sont familiers, on l'appelle l'ensemble des entiers naturels. Alors, ensemble des entiers naturels. Bien sûr, cet ensemble-là, il est infini. Maintenant, Z. Z, c'est tout simplement l'ensemble qui contient 0, 1 moins 1, 2 moins 2, 3 moins 3, 4 moins 4, et ainsi de suite. Donc, c'est un ensemble, lui aussi, qui est infini des deux côtés. Donc, il s'appelle l'ensemble des entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs. Maintenant, voici. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, cet ensemble, lui aussi, est infini. Bon, maintenant, D. Alors, D. D s'appelle quoi? Il s'appelle l'ensemble des nombres décimaux. Alors, quelle est la caractérisation de l'ensemble des nombres décimaux? C'est tout simplement un nombre qui s'écrit par exemple sous la forme moins 3 sur 10 à la puissance 25, si vous voulez. Alors, ce nombre-là, c'est un nombre décimal. Pourquoi? Parce que tout simplement, au numérateur, j'ai un entier relatif, mais au dénominateur, j'ai une puissance de 10. Voilà la première définition. Donc, 12 sur 10 au carré, ben c'est un nombre décimal. 4 sur 10 à la puissance 3, c'est un nombre décimal. Donc, avec ma calculette, ce nombre-là, le nombre décimal, si j'arrive à chercher sa valeur décimale, eh ben, il aura le nombre de chiffres après la virgule, il est fini. Voilà la caractérisation d'un nombre décimal. C'est un nombre dont la partie décimale est finie. C'est-à-dire moins 4,342,5 comme ça. Alors, le nombre de chiffres après la virgule, elle est finie. Donc, ce nombre-là s'appelle un nombre décimal. Un nombre décimal. Bon. Par exemple, 5,32, c'est un nombre décimal. Le nombre de chiffres après la virgule, il est fini. Deux chiffres après la virgule. Donc, c'est un nombre décimal. Le nombre 7 sur 10 à la puissance 7, c'est un nombre décimal. Donc, un nombre décimal, c'est tout simplement un nombre dont le nombre de chiffres après la virgule est fini. Il s'appelle l'ensemble des nombres décimaux. Double barre. Maintenant, l'ensemble N, disons ces entiers-là, on peut toujours les considérer comme des nombres décimaux. Pourquoi? Parce que le nombre 0, je peux l'écrire égal à quoi? Il est égal, je peux l'écrire égal à 0 sur 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0, c'est 1. 0 divisé par 1, c'est 0. Donc voilà, c'est un nombre décimal. 1, par exemple, 1, je peux l'écrire, c'est quoi? 1 sur quoi? Sur 10 à la puissance 0. De même pour les entiers relatifs. Tout entier relatif peut être considéré comme un nombre décimal. Moins 3. Le nombre moins 3, je peux l'écrire moins 3 sur 10 à la puissance 0. Donc c'est un nombre décimal. Moins 2, c'est un nombre décimal. Moins 1, c'est un nombre décimal. 1, c'est un nombre décimal. Je prie qu'il est égal à 1,0. Et voilà la partie, le nombre de chiffres pour la virgule, c'est 0. C'est un nombre fini. La partie décimale est finie.
Donc, la caractérisation d'un nombre décimal, c'est tout simplement un nombre, c'est un nombre dont le nombre de chiffres après la virgule est fini. Ou bien, c'est une fraction dont le numérateur est un entier relatif et dont le dénominateur est une puissance de 10. Or, vous avez déjà vu les puissances de 10 l'année dernière en ce qui concerne la notation scientifique. 10 puissance 0, c'est 1 suivi de 0, c'est 1. 10 puissance 1, c'est 10. 10 puissance 2, c'est 1000. 10 puissance 3, c'est 1 suivi de 3, 0. 10 puissance 4, c'est 1 suivi de 4, 0, c'est suivi. De même pour les nombres, ils sont compris entre 0 et 1, et bien nous aurons des puissances à faire des puissances négatives. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que l'ensemble M est une partie de l'ensemble Z. Tous les éléments de N sont dans Z. Et on vient de voir que même les éléments de Z, ce sont des nombres décimaux. Donc à son tour, l'ensemble Z est inclus dans l'ensemble D. Voilà. Donc, tout nombre entier relatif est un nombre décimal. Et maintenant, passons au nombre rationnel. Et bien, qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel? Un nombre rationnel, c'est tout simplement une fraction. C'est la forme A sur quoi? Sur B. Alors, B, elle est différente de 0. La division par 0 est une absurdité. Donc, B, si vous voulez, B, on va le considérer comme élément de N étoile. C'est quoi N étoile? Et bien, N étoile, c'est tout simplement l'ensemble N auquel on a enlevé 0. Donc, 1, 2, 3 du point de suspension. Voilà l'ensemble N étoile. C'est l'ensemble N auquel on a enlevé 0. Donc ici, A sur B, et ici, il appartient à Z. Le numérateur, c'est un entier relatif. Le dénominateur, c'est un nombre non nul. Alors, toutes ces catégories de nombres, on les appelle des nombres rationnels. Donc, c'est quoi un nombre rationnel? Moins 4, par exemple, sur quoi? Sur 21. C'est un nombre rationnel. Le dénominateur n'est pas égal à 0, mais le numérateur, c'est un entier relatif. Donc, c'est un nombre rationnel. Donc, tout nombre rationnel s'écrit sous cette forme-là. A sur B avec A élément de Z et B élément de N étoile. Voilà la première caractérisation. La deuxième caractérisation, c'est tout simplement, si je considère ce nombre-là, par exemple, je considère 3,141,223,223, et ce nombre-là, c'est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce qu'il a une partie décimale qui est comment? Qui est périodique, c'est-à-dire elle se répète. Regardez bien sûr, regardez, observez sa partie décimale. Après ce nombre-là, là voici la partie décimale. Il se répète, elle se répète. Donc 3,1, 41, 223, 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 la partie décimale est périodique. Ce nombre-là, c'est un nombre rationnel. Donc il appartient à Q, vous voulez. C'est un élément de Q. Donc tout nombre dont la partie décimale est périodique est un nombre rationnel. Donc D encore est une partie de quoi? Est une partie de Q. Donc on vient de voir que l'ensemble N est une partie de quoi? L'ensemble N est une partie de Z. Et puis Z c'est une partie de quoi? C'est une partie de D. Et maintenant, D, c'était une partie de quoi? De Q, de l'ensemble Q. Et maintenant, pour finir, l'ensemble Q, lui aussi, le voici, on va l'insérer dans un autre ensemble. On va l'insérer dans un autre ensemble. Alors, cet ensemble-là a les caractéristiques suivantes. Exemple, l'année dernière, vous avez exprimé la diagonale d'un carré de côté 1 à l'aide d'un nombre qui s'appelle racine de 2. Je m'explique. J'ai un carré. Un carré. Et voilà sa diagonale. Et bien, elle, le carré, il a 1 pour côté. Alors, d'après le théorème de Pythagore, j'ai L au carré. L au carré est égal à 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire est égal à 2.
Alors, le nombre L, le nombre L a une valeur L, et est égal à quoi? Il a une valeur, mais cette valeur-là n'appartient pas à l'ensemble Q. Parce qu'on ne peut pas trouver de nombre rationnel dont le carré est 2. Impossible de le trouver. Donc ce nombre-là, on va lui changer d'étiquette et il s'appelle quoi? Il s'appelle racine de 2. Voici. Donc la longueur de votre carré est égale à la racine de 2. Ce nombre-là, il s'appelle un nombre irrationnel, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas rationnel. Alors L ici, L est un nombre irrationnel. Un nombre irrationnel. Alors, en passant à notre calculette, la machine va nous donner racine de 2 est sensiblement égale à quoi? Alors, sensiblement égale, racine de 2 si vous voulez, il est sensiblement égal à 1,4, 4, 4, 4, 1, ainsi de suite. Alors, la partie décimale de ce nombre-là n'est pas périodique. Elle n'est pas du tout périodique. Je peux la poursuivre jusqu'au rang 1000 après la virgule. Et dans cette partie décimale, ou bien le nombre de chiffres de la virgule-là, il n'est pas périodique. Ce n'est pas comme tout à l'heure pour les nombres rationnels. Pour les nombres rationnels, on vient de voir que leur partie décimale, elle est comment? Elle est périodique. Il se répète. Ici, il ne se répète pas. Donc, racine de 2 est un nombre irrationnel. Exemple pi. Pi, le nombre que vous connaissez déjà dans votre culture mathématique, il s'appelle pi. Et bien, sa valeur approchée est égale à 3,14 et ainsi de suite. Donc, pour 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffres pour la virgule, il n'est pas du tout, la partie décimale n'est pas du tout périodique. Donc ce genre de nombre, il s'appelle un nombre irrationnel. Exemple encore, exemple, racine de 3 sur 7, par exemple. C'est un nombre irrationnel. Donc, ces nombres-là, ils appartiennent à quoi? À l'ensemble des nombres réels. Un grand ensemble qui s'appelle quoi? Qui s'appelle ensemble R. Donc cet ensemble-là, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, tout simplement, d'après cette inclusion-là, j'ai l'ensemble R, le gros, le voici, et puis à l'intérieur, j'ai l'ensemble des nombres Q. Voilà. L'ensemble des nombres rationnels. Parce que Q, en fin de compte, Q est une partie de R. Donc, ici, vous avez les nombres rationnels, les nombres rationnel, exemple, moins 1,5 par exemple. Et ici, j'aurai racine de 2. J'aurai par exemple pi. J'aurai racine de 3 sur 7. Donc, l'ensemble R, il est formé par quoi? Il est formé par les nombres rationnels et les nombres irrationnels. L'union de l'ensemble des nombres réels, des nombres rationnels et des nombres irrationnels s'appelle l'ensemble des nombres réels. Le voici, et bien R, et ça s'appelle quoi? Ensemble des nombres réels, comme ça. Voilà. Et c'est fini. On vient de voir maintenant l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble des nombres décimaux, l'ensemble Q, et pour finir, l'ensemble R. Voilà. Maintenant, on va passer à la notation scientifique des nombres. La notation scientifique. Alors, la notation scientifique. Si je prends par exemple un nombre x et je l'écris tout simplement sous la forme quoi? Sous la forme a multiplié par 10 puissance n. Avec deux choses. Avec n, c'est un entier relatif. Et puis quoi? Et puis a est un nombre qui est compris entre quoi? Il est compris entre 9 et 1. Voilà.
A, il est compris entre 1 et 9. Et bien, cette écriture-là, il s'appelle une écriture scientifique de X. L'écriture scientifique de X, la voici. Donc, je vous donne un exemple. Si je considère, par exemple, le nombre 123,49, par exemple, on me demande à donner l'écriture scientifique de ce nombre-là. Eh bien, il faut chercher un nombre, petit a, qui est compris entre 1 et 9, que je vais construire à partir de ce nombre-là. Et puis, je multiplie par une puissance de 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, ce nombre-là, je vais déplacer la virgule de quoi? De deux chiffres. Donc, je vais qui est égal à quoi? Il est égal à 1,2349. Multiplié par combien? Multiplié par 100. Voilà. Eh bien, voilà notre nombre A. Le voici. Et voilà, donc ce sera X, notre nombre. 123,49 comme ça, virgule, il est égal à quoi? Il est égal à 1,2349 multiplié par quoi? Multiplié par 10 puissance 2. Et voilà l'écriture scientifique de ce nombre-là. Je considère par exemple 13,7. Alors, je vais l'écrire en notation scientifique. Donc ce nombre-là, je vais écrire égal à quoi? Il est égal à un nombre A, multiplié par une puissance de 10. Ce nombre A, 13, il est plus grand que quoi? Il est plus grand que 10. Donc 10 est plus petit que ce nombre-là. Donc, ce nombre-là, je vais écrire qu'il est égal à quoi? Il est égal à 1,37 multiplié par 10. J'ai déplacé la virgule vers la gauche. Donc, ici, l'exposant de la puissance, il sera positif. Donc, j'ai déplacé la virgule de combien de chiffres? De 1 chiffre. Et voilà. Et bien, voilà votre nombre A. Le voici. Et voilà votre puissance de 10. Donc, X ici est écrit sous forme de quoi? D'une puissance de 10. Donc, écrire un nombre X sous forme d'une puissance de 10, c'est tout simplement l'écrire sous forme d'un produit avec ce nombre-là. Il est compris entre 1 et 9. Il n'a pas le droit d'être 10. Et puis maintenant, une puissance de 10. Alors, si je vous donne par exemple le nombre 0,000342, par exemple, je vous demande de l'écrire sous forme d'une écriture scientifique. Et bien maintenant, la virgule, il va se déplacer vers la droite. Donc certainement ce nombre-là, il est compris entre 0 et 1. Donc nous aurons une puissance négative de 10. Donc ça sera égal à quoi? Et bien déjà égal à 3, si vous voulez, 42, multiplié par 10 puissance quelque chose de négatif. Or, la virgule, j'ai déplacé de combien de chiffres? 1, 2, 3, 4. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à 3,42 multiplié par 10 puissance moins 4. Et voilà l'écriture scientifique de ce nombre-là. La voici. Le nombre A, le voici, elle est là, elle est compris entre quoi? Entre 1 et 9. 1 inférieur égal à 3,42, voilà. Inférieur égal à quoi? Inférieur égal à 9. Et maintenant, voilà notre puissance de 10 avec un exposant qui est négatif. Alors maintenant, l'ordre de grandeur d'un nombre écrit en notation scientifique. Alors, si je considère mon nombre x égale, si vous voulez, a multiplié par 10 puissance n. Alors, n appartient à z. Voilà. Et puis, a est compris entre quoi? Entre 9 et 1. On me demande à chercher quoi? À chercher